Bitch, I'm in a trap with you and we throw it up. Fall while my knees throw it up. Every time I took a good sense, I might just throw it up. These niggas ain't got no swag for it. Yo, YouTube! I'm back. So guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un monthly reset. En gros, en quoi ça consiste un monthly reset? Donc en gros, ça va être une vidéo. Le début du mois a commencé. Bon, je sais que je l'ai commencé un petit peu tard parce qu'il est actuellement le... On est actuellement le 4 janvier. Et d'habitude, il faut le faire le 1er janvier. Mais après, tant que c'est le début du mois, c'est le début du mois. Genre là, on est vraiment dans le début du mois. Du coup, alors là, je vais vous montrer un peu genre mes organisations, rangements, mes préparations, la préparation que je fais chaque mois, le fait d'arranger ma chambre, tout ça, je vais tout vous montrer. En gros, un monthly reset, c'est vraiment ce que vous faites pour bien commencer le mois. Donc là, je vais vous montrer ce que je fais, ce que je vais faire pour le mois de janvier, pour bien commencer, les choses que j'ai à faire, ma to-do list, tout ça. Donc là, tout d'abord, il est actuellement 13h35, je me suis réveillée à 12h aujourd'hui. J'ai toujours pas mangé, guys, et j'ai envie de manger. Ça faisait archi longtemps que j'ai pas mangé ça. Je voulais manger mon avocado toast, j'aime trop ça, avec du saumon et tout. Et ça me manque, genre, ça fait archi longtemps que j'ai pas mangé ça. Du coup, je vais aller faire quoi? Je vais aller faire les courses, acheter ça, du pain. J'ai déjà des petits trucs chez moi, je crois. Mais je vais acheter des trucs et puis j'ai envie d'acheter des roses. Parce que les dernières roses que j'ai reçues, elles sont pourries, elles se sont abîmées du coup. Du coup, j'ai envie d'acheter des roses et j'aime bien avoir des roses dans ma chambre. Genre, je suis une meuf et j'aime trop les fleurs et j'aime trop les roses. Du coup, j'ai envie d'acheter des roses. Que la première fois que j'ai acheté des roses au fleuriste qui est à côté, le fleuriste qui est dans ma ville, parce que moi j'habite dans la campagne et donc d'habitude j'achète tout le temps mes roses en ville. Et là c'est vraiment la première fois, donc j'espère qu'elles vendent des belles roses et j'espère que c'est pas des roses bizarres genre de campagnard. Mais bon, on va voir. Et on va voir. Là on va aller faire quoi? On va faire les courses. Je sais pas si je vais prendre ma voiture parce qu'en fait mon Carrefour il est à côté. Mais j'ai pas envie de marcher non plus. Donc je pense que je vais prendre la voiture. Et même si c'est vraiment... En vrai c'est à côté, genre à pied c'est genre 2 ou 3 minutes. Mais je vous jure que j'ai tellement la flemme. Donc on va prendre la voiture. Et on va aller acheter mon avocado toast. On va manger. Et après on va faire ma to-do list. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire ce mois-ci. Donc let's go. How's your eye? I'm calling, calling, yeah. We hit the ground and it's cops for the jealous. Yeah. We need a bag and we mug and a tear. And I'm in a bad bitch and I got it in. Oh, yeah. How's this like this vision? Like, is it moved out of state, shit that went left, she's seeking forgiveness. She used to dance, but she went alone, started a business. Her daddy was not around, her mama was not around. I watch her climb to the top of the pole, and then get sliding down. I make it rain in this bitch, I make it snow in this bitch. She's trying to get out of the mix, shawty is going legit. Shawty is going legit, me I'm supporting this shit. It's a story, came from my life, and I'm recording this shit. I'ma just give it to you direct instead of me throwing this shit. You know you're important and shit. You know I'm supporting this shit. We used to do pornos when you would come over, but now you got morals and shit. I got like 400 wrists and an adorable kid. I got a Drake in the studio and I don't trust me that I'm in this bitch. Please make the most of this shit. Don't just come close to some shit. I give you this bread, you rub me some head. Bon, guys, j'ai fini de manger. On va préparer notre mois de
janvier ensemble. Donc, ma to-do list du jour, en fait. Il faut que je vous fasse ma faut que je vous dise ma to-do list. Alors, là, ce que je dois faire, c'est que je dois ranger ma chambre, faire la lessive, mon linge, genre, je dois changer aussi de drap, nettoyer, bah, genre faire la lessive, quoi, mon linge. Je dois faire un déstockage de mon téléphone, parce que je sais pas pour vous, mais des fois j'ai des photos inutiles ou des fois j'ai des screens. Par exemple, il y a des gens, ils vont publier une musique, je vais screen parce que je connais pas la musique et entre temps j'ai déjà téléchargé la musique ou je l'ai écoutée, sauf que j'ai encore le screen. Donc c'est des trucs, des fois il y a des trucs, on a des photos inutiles. Du coup, on va faire un gros tri sur ça. Je vais changer mon nouveau fond d'écran. En fait, là je pars dans une résolution nouvelle année, vu qu'on est en janvier, je me dis nouvelle année. Du coup, chaque mois, avant je changeais mon fond d'écran tous les semaines, en fait. Tous les vendredis, je faisais un truc, genre tous les vendredis, je changeais de fond d'écran. Mais en fait, quand tu grandis et tout, genre, bah en fait, des fois, t'es trop occupé, donc forcément, bah t'as plus trop de temps de faire tout ça. Genre, c'est vrai que c'est rien, hein, mais genre, des fois, genre, je vais oublier de changer mon fond d'écran. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une grille, on va dire un vision board, mais juste pour le mois de janvier, et je vais le mettre sur mon téléphone, comme ça soit sur mon fond d'écran. Je vais faire mon organisation du mois niveau vidéo YouTube. Je vais essayer de planifier les vidéos que j'ai à faire pour le mois. Il faut que je fasse, j'ai envie de créer, c'est la première fois que je vais faire ça aussi, de créer un goal du mois. Donc je vais me créer un goal du mois avec tout ce que j'ai envie d'avoir ce mois-ci. Après, je vais faire je vais nettoyer ma voiture, je vais nettoyer Lucie, parce que clairement Lucie a besoin de nettoyage. Ça fait quoi, 2 mois que j'ai pas nettoyé ma voiture? Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Donc, on va grave nettoyer Lucie parce que... Oh my god. Et puis après, j'aurai fini ma journée. Et on va terminer par un skincare. Et puis, j'ai fini. Donc, vraiment, pour me mettre en mode chill, peace, je vais faire ma skincare. Comme ça, je suis en mode... J'ai tout fini et... Juste, j'ai besoin d'avoir une skincare on fleek, donc on va prendre soin de ma peau et tout. Donc voilà mon monthly reset. Et d'ailleurs, j'ai acheté mes roses. Guys, this is so cute. J'ai pris rose, mais avec un peu de tache comme ça. C'est la première fois que je prends ce genre de rose là. D'habitude, je prends toujours des noirs ou des roses un peu plus façon blanc, genre les roses super claires. Et là, c'est la première fois. Et je suis trop fan. J'aime trop. Elles sont trop, trop belles. So pretty. Donc, voilà. Donc là, première tâche qu'on a à faire today, c'est, comme j'ai dit, c'est de ranger ma chambre et faire la lessive. So, let's go. Always feel like there was something you got. Obvious, you're pretty. Heard it's your story. Working weekends in the city. Gotta take you out, girl. Hoping not too busy. If there's nothing wrong, got this little song for you to get ready to. Put those fucking heels on and work it, girl. Let that mirror show you what you do. Voici l'état de ma chambre. Elle est vraiment dans un état genre lamentable. Juste ce côté là c'est potable, mais là avec le make-up et tout, vraiment genre is a mess. Genre vraiment is a mess. So on va vraiment clean tout ça. New mois, nouveau mois, nouvelle résolution. Let's go. I tell all my hoes, break it up, break it down, back it up, fuck it up. Brought out the pink Lamborghini just to race with China. What the race to China? Just a race in China. Little bad trendy bitch, but she mixed with China. Real thick vagina, smuggled bricks to China. I tell my niggas, cut the check. Bust it out, bust it, turn your goofy doll. Pow, 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 slip money, yes, the turn. It's my bad bitch, I'ma throw it, I'ma bust it open. Brunani. I think he needs the funny. I might just let them find me. Never trust a big butt and a smile with the Ronnie.
put me my doubt. But this game is breathing like it weight in the cow. Nickname is Nikki, but my name ain't a cow. I tell all my hoes, break it up, break it down. I got too many hoes, but they ain't you. You like to put that shit in your nose, but I still love you. Be doing shit that nobody knows. In the streets they be thinking you're lady. J'ai fini d'arranger ma chambre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon planning du mois. Niveau contenu YouTube, et je vais faire mon goal pour le mois de janvier. Pour le goal de mon mois de janvier, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment la première fois que je vais faire ça, parce que d'habitude je fais jamais ça en fait. Je fais juste un goal de l'année, mais je trouve que c'est une bonne idée de faire un goal pour chaque mois et pour voir aussi l'évolution et tout. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça sur mon iPad, et après je vais me connecter sur mon Pinterest, sur mon téléphone, et télécharger plein de photos et essayer de faire un truc carré, bien beau, sur mon téléphone. Comme ça, chaque mois je fais ça, et franchement je trouve que c'est grave une bonne idée. Franchement, c'est la première fois, et comme ça je vais voir si j'ai accompli mes goals ou mes résolutions, genre pour ce mois de janvier. J'ai fini. Eh, c'est trop trop beau. Eh, mon fond d'écran. Là, les gars, il envoie, mais il envoie de ouf. Genre, c'est trop beau. Je sais pas si vous allez voir. Ça ne veut pas qu'on focus. Mais bref. C'est trop beau. Genre, vraiment, faites-le pour chaque mois. Ça va vous motiver. D'ailleurs, je vous montre aussi comment je fais mon planning. Que ce soit. Pour YouTube, et j'ai fait un petit peu sur j'ai créé un planning aussi pour TikTok, mais j'ai juste créé et j'ai pas encore écrit des trucs parce que j'ai envie de me lancer un peu plus sur TikTok. Du coup, là je suis en mode faut que je trouve un peu les trucs tendance, et après je vais planifier quel contenu je vais faire. Il se porte comme ça, donc vous avez juste à tourner comme ça, c'est trop bien. Donc là, c'est mon planning, j'ai pas encore tout mis parce que il faut que je trouve encore d'autres idées pour du contenu. Ici, j'ai mis début du mois, et je vais commencer à faire ça plus souvent. Comme ça va me permettre de savoir mon évolution. J'avais ce nombre-là d'abonnés, et la prochaine fois, je mettrai et tout. Et comme ça, moi, je pourrais voir si j'ai une augmentation ou pas. Ensuite, là, c'est mon goal de janvier. Et ensuite, ici, sur Notion, j'ai fait pour TikTok. Donc, j'ai fait comme ça. Ici, tout devant, j'ai mis mon goal du mois, donc j'espère avoir sur TikTok 6000 abonnés. Là j'ai mis des petites photos pour me motiver. Ensuite, ici j'ai fait un petit planning TikTok. J'ai vraiment rien mis, mais juste c'était juste pour vous montrer ma productivité, les gars. Vraiment, genre ce mois de janvier s'annonce pas mal. Bon, du coup, je vous ai tout montré. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez m'accompagner nettoyer ma voiture, parce qu'elle est vraiment dégueulasse, et on a tout fini pour ce mois de janvier. Je vais terminer avec une skincare, vraiment ça se voit que j'en ai grave besoin, parce que ma peau elle devient un peu grasse là, elle devient archi grasse, donc ça me gratte, putain. On va laver Lucie. Take off the foufou, take off the clouches, take off the wifi. Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss.
Take off the weird ass jewelry, I'ma take good steps, then I'm taking off top off. Take off the fabricated streams and the microwave memes, it's a real world outside. Take off your idols, take off the runway, take off the Cairo. Take off the Sandro, pay 5 days stay, take off for the meal, hella five. Take off the fuck flag, take off perception, take off the pop with the hot pad. Take off the allure, take off the unsure, take off decisions I had. Take off the fake D, take off the fake woe, take off the I'm broke, I care. Take off the gossip, take off the new logic, if I'm rich, I'm real. Take off the shit mill, take off the dope, take off the broken bag. Take all that designer bullshit off, and what do you have? Rentrée, ma voiture est propre, tout est propre, ma chambre est propre, tout est propre. Bon, là on va faire quoi? La skincare, et j'ai tout ramené les gars, j'ai vraiment tout ramené, genre là il y a tout les produits que j'utilise en ce moment. Je tape et j'utilise beaucoup ça là, le masque à l'argile. Franchement ça me fait trop du bien parce que moi j'ai la peau grasse, donc forcément ça me fait du bien. Donc là j'ai tout mis et on va se faire une bonne skincare. Et voilà quoi. Histoire de terminer ce vlog en beauté. Et histoire de. J'ai plus rien à faire en fait. Donc, me détendre en fait. Donc, on va faire ma skin. Et puis, ça va être la fin de ce vlog. En plus elle est toute bien brillante. Donc, sur moi j'ai encore de la crème, c'est pour les boutons, du coup faut laisser comme ça poser. Donc là les gars c'est la fin de ce vlog, j'espère que ce vlog va vous a plu guys. Bref, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait guys, et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye guys.